très technique en face. Ça plonge. Elle est bien suivie déjà. Un premier duel avec ce long ballon. Cette première occasion pour l'Espagne. Et la France qui est déjà punie. Il ne fallait pas lui en laisser beaucoup à Celia Segura, la capitaine espagnole, sur cette première offensive. Très belle sortie de balle. Et pourtant, elles étaient au contact, les Bleuettes. Mais l'accélération qui a fait la différence. Un but à zéro pour l'Espagne. Et surtout bien négocié quand même les minutes post-but. Et avec cette nouvelle opportunité, cette fois-ci pour Gomez, qui vient tromper à nouveau Chilin Yilmaz. Oh, c'est terrible pour cette équipe de France qui rate complètement son entame de match. Parler des minutes précédentes, suivant l'ouverture du score. Eh bien, elles sont fatales à nouveau pour cette équipe de France. Petit ballon piqué. Chilin Yilmaz qui hésite à sortir. Elles ne sont pas assez au contact là, les Françaises. Il faut aller parfois faire les fautes. Toute seule en centrale. Et oui, elle peut distribuer ensuite Kubo là pour aller trouver les solutions. Serra Jordi, Luacalo, la frappe ensuite. Il est magnifique ce but. C'est une leçon espagnole face à cette équipe de France. Dans toutes les positions, elles sont dangereuses. Et ça fait 3-0 désormais dans le premier quart d'heure. C'est terrible pour cette équipe de France. Mais qui n'arrive pas à répondre aux défis espagnols. Qui perd son duel, elle arrive à se remettre sur son pied droit, Luacalo, enroulé, magnifique. C'est le deuxième pénalty raté par les Bleuettes dans cette Euro. Alors qu'en face, ça peut être la punition avec ce cinquième but. C'est allé trop vite. Luacalo pour le doublé. On était dans la surface il y a quelques secondes, la surface espagnole. Et on n'a pas réussi à se replacer, à se reconcentrer. Elle s'en veut particulièrement, Linagué. Oh, attention, encore trop d'espace. Ouais, c'est bien fait. La qualité technique de Segura. Et ensuite, mettre sur orbite Serrato pour le 6-0. La coupe est pleine. Là aussi, doublé pour Alba Serrato. Au hasard. Au hasard, pour mettre dans la surface, elle a bien surgi. C'est Oriane Abdourahim pour mettre ce but français, ce but de l'orgueil, ce but de la fierté. 6 buts à 1. Ouais, c'était ras du sol, ce ballon de Deniso. Et l'Espagne qui s'impose 6 buts à 1 face à la France dans cette demi-finale de l'Euro des moins de 17 ans. Tout s'est joué en première période. La maîtrise, la leçon espagnole, ça allait trop vite, beaucoup trop vite pour les Bleuettes qui joueront eh bien, la petite finale samedi. Une troisième place à aller chercher pour se qualifier pour la Coupe du Monde de cette catégorie en octobre prochain.